à tous les gars, parlez tous très très bien, moi ça va nickel. Après l'actu assez croustillante à la sortie de la bêta, mercredi, on se retrouve aujourd'hui 1er juin tout simplement pour parler du comptoir. Et donc le comptoir 1er juin, nouveau comptoir, comptoir Summer Vibes, très été ce mois-ci, vous l'avez vu certainement déjà avec quelques petits... comment ça s'appelle, avec quelques petites images publiées par Blizzard. Blizzard souvent maintenant dévoile le comptoir à l'avance pour teaser un petit peu, hyper les gens. C'est ce qui a été fait, donc on va maintenant le découvrir ensemble. J'ai combien de deniers moi? On va voir ça là-bas. J'ai déjà ramassé les 500 du mois, ok. Donc là il me reste les 500 en plus à récupérer. Et je suis à 3365 deniers, voilà. Alors, ok, on va commencer ce petit comptoir avec... Ouah, mais attendez, très vibes été. Bon, ça fait très peu Heroic Fantasy, mais elle est stylée. Je pense que je vais la prendre direct, celle-ci. Avec donc le déchiqueteur de vagues gobelins perlescent. Surfer sur les rivages de Strangleronce avec style. Voilà, évidemment, Strangleronce qui fait évidemment très souvent penser à l'été dans WoW. Eh bien, là, c'est le cas. Petit rêve à Strangleronce avec cette planche de surf, en gros. Hein. C'est clairement ça. Une planche de surf qui fait plus goblin que gnome d'ailleurs. Donc ok, cool cool. Ensuite on avait déjà vu la dernière fois, on a des ensembles d'armes qui reviennent petit à petit. Donc là on a l'ensemble arme de Gangrefeu flamboyant. Il me semble qu'une fois on avait eu seulement l'arme et le bouclier mais séparés. Là on a les deux pour 650. L'épée et le bouclier brûlent d'une intensité alimentée par une indignation fulgurante. Donc de Gangrefeu, c'est stylé, pourquoi pas. Ça dépend sur quelle classe, le bouclier est peut-être un peu grand. Même l'épée aussi pour une épée de main fait un peu grande. Mais pourquoi pas. Ensuite on a l'ensemble maillot de bain des tropiques ensoleillés. La tenue parfaite pour se détendre sur les plages de la vallée de Strangleronce. Est-ce que ça tease peut-être un event dans la vallée de Strangleronce pour l'été? Peut-être. Peut-être, peut-être, mais du coup voilà. Bon effectivement le maillot de bain après vous choisissez les pièces que vous mettez. Parce que par exemple voilà, ce que je veux dire, c'est que le torse sur mon orc n'a que très peu de logique. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, hop, vous pouvez à mon avis choisir. Voilà, ce que vous voulez mettre, c'est pas un, voilà, c'est pas un ensemble définitif ensemble. Très bien. Ensuite, ensemble, tenue de plage des tropiques ensoleillés. La tenue parfaite pour se prélasser sur les plages de la vallée de Strangleronce une nouvelle fois. Oh, la petite bouée Murloc qui est stylée. Ah, vous voyez déjà, je préfère cet ensemble-là à celui-là. Je préfère l'ensemble tenue de plage à l'ensemble maillot de bain. Très bien. Marlock. Alors pourquoi il n'est pas dans la catégorie retour? Alors qu'il me semble que c'est un retour Marlock. Un sang gorien ancestral coule dans les veines de Marlock. Pour autant qu'on le sache, seul son désir de se prélasser le plus longtemps possible sur une planche ensoleillée freine sa ambition impériale. Ah oui, non, ok. Alors, je pense que Marlock, c'est... On l'avait déjà eu un, mais il n'était pas rose comme ça. Ok, donc autant pour moi, c'est pas un retour. Le canon AOB. Elle, développée à l'origine pour laver les montures draconiques, l'ingénierie Goblin lui a rapidement imaginé d'autres usages plus mortels. Celui-là, je vais évidemment l'acheter direct, parce que les gars, il est... C'est, ça va, on rigole bien avec le canon, il tire de l'eau en plus. Donc il est vraiment stylé, et c'est le premier truc qu'ils ont mis en avant sur les réseaux lorsqu'ils ont sorti ce canon. Alors, on voit que l'eau, par contre, est figée, l'eau ne bouge pas à l'intérieur, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on a la bouée de lever de soleil tropical. Donc, on en a une ici. Et on en a une deuxième ici. Donc, on a deux bouées en tout, Murloc. Qu'est-ce qu'il est? Si, voilà, on veut... Pourquoi pas, si vous jouez un gnome ou un gobelin ou un vulpérin, effectivement. Sauter dans l'océan avec votre bouée pour plus de sécurité peut valoir le coup. Bien sûr. Ensuite on a la visière de lever de soleil tropical. Si l'ombre du chapeau à large bord ne suffit pas, ces lunettes de soleil vous protégeront. Ah, je crois que j'ai pas lu ça. Oh oui, d'accord. Ensuite on a la chaise de plage colorée, qui est donc un jouet. Vous l'installez, bon ça fait peut-être référence au... J'avais vu les inters en parler un peu, que ça faisait un peu référence aux couleurs LGBT. Tout simplement. Après avoir piqué une tête pour lutter contre la chaleur estivale, comptez sur le confort de cette alliance parfaite de teintes, de coucher de soleil et d'arc-en-ciel. Voilà. Elle est stylée en vrai. Pour 200, ça va pour un jouet. Ensuite, on a chemise de lever de soleil tropical. La couleur de cette chemise rappelle une mer tropicale limpide. C'est vrai, belle couleur. La chemise est jolie. Ça fait très hawaïenne. Et vous avez les fleurs qui sont comprises dans la chemise, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Bon, le maillot du coup tout seul qui était dispo là-bas dans une autre couleur.
C'est pareil sur mon orc, ça marche pas trop. Le parasol cramoisi délicat. Utilisez, vous ouvrez un parasol cramoisi délicat auquel vous pourrez flotter en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. Idéal pour une promenade bucolique sur les plages de la forêt de Jade. Voilà, donc ça fait très panda reine. Jupe de lever de soleil, parfaite pour se détendre à la plage. Voilà, un petit maillot de bain encore. Ici, short de lever de soleil, nager avec style. Petit short de bain, plus homme cette fois-ci, très bien. Ensuite, on a quoi ici? Oh! Martelé du maître forge, ça c'est Wood. Hein. Ça c'est Wood, je pense. Que ce soit, en préparant des repas immangeables ou en frappant les adversaires sur la tête, cette arme peut faire beaucoup de mal. Elle est stylée et pour 100, je la prends en vrai. Hein. Pour 100 deniers, je la prends. Hein. Je la trouve vraiment très stylée. Même si c'est Wood, Wood n'a pas toujours fait des choses folles, je la trouve jolie celle-ci. Le sarron ensoleillé du commerce, un vêtement très prisé pour faire commerce dans les jungles du sud. Tabar carotte classique, un tabar simple, adapté à toutes les occasions. Et là voilà, c'est ça va être les couleurs un peu plus summer, orange, machin. Oh, les gars, 60 deniers, ça je prends direct parce que sur un moine pandarène, ça passe mais tellement bien. Incroyable. Bottines des sables agités, gants des sables agités, écharpe du lever de soleil tropical en petite ceinture. Bandelette du lever de soleil tropical, perles du lever de soleil tropical, sandales du lever de soleil tropical. Juste... Wow, les pieds de mon orc est dégueulasse. Wow, regardez les... What the fuck. Oh non, les pieds orcs sont mal faits de fou. Ok. Et la tortue de monde ici, bon, que j'ai déjà. Très bien. Ensuite, dans les retours, on a les pierres ensoleillées du maître lame, prisées dans les salles de la paume céleste, ces pierres données de la, à leur porteur, la fureur du feu du Rukmar. Ensuite, des petits ensembles ici, couleur marron, petit surin affûté comme ça, très bien, et la lame point corrompue qui est de retour et qui est assez stylée si vous voulez jouer un orc lame point. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc voilà, et la récompense du mois, qu'est-ce que c'est? C'est un jouet. Affichage canon extrême. Un affichage canon extrême. Ok, alors est-ce que c'est du coup toutes vos armes sont transformées en canon en extrême? Potentiellement. Alors il y a pas mal de trucs intéressants ce mois-ci. Bon, c'est très summer vibes. Donc très... pas des trucs qu'on va utiliser toute l'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez acheter ou pas. Est-ce que vous avez déjà acheté peut-être? Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de liker tous vos commentaires. Ah, lui, il est en full tenue. Voilà les gars. Ils ont juste pas changé les montures ici. Mais d'ailleurs, je vais juste prendre la monture. J'ai des tas de choses à vous montrer. Celle-ci, hein. Les gars, hop. Tac. Celle-là, ça se la prend direct. Que les esprits vous portent chance. Hop. Monture. Déballée. Et hop, les gars. Regardez-moi ça, si on n'est pas stylé avec ça. Donc voilà les gars, pour ce comptoir du mois de juin. Comme d'habitude, il y a les choses très faciles à faire pour avoir vos points, avoir vos deniers très rapidement. Par exemple, faire 15 combats de mascottes contre des petits mobs de niveau 1 d'Orgrimmar. Là, les mascottes niveau 1 d'Orgrimmar, ça compte et vous allez faire 200 points d'un coup. Monter vos rerolls aussi, ça fait monter vos points. Être sur Mob Remix actuellement, ça fait aussi monter vos points. De renom de denier. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très très bientôt demain aussi pour la fin de Warcraft 3 et l'épisode bonus pour conclure totalement cet arc de la chaîne. Des gros bisous.